Et oui, il fut une période où Audi dominait l'endurance, mais ça, c'était avant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la piste des 24 heures du Mans. Vous étiez nombreux à me le demander, c'est dorénavant chose faite, puisque le circuit est maintenant disponible en mode dans Assetto Corsa, pour vous tester une voiture que je n'avais pas encore eu le temps de prendre en main, l'Audi R18 e-tron Quattro édition 2014. Alors pour les petits malins, l'édition 2015 est également disponible sur la chaîne dans cette même playlist. Quelques spécificités technique de ce bolide hybride, évidemment comme son nom l'indique, un poids de 870 kg sur la balance, une puissance de plus de 550 chevaux et une vitesse de pointe, vous allez le voir dans les unodières, de plus de 325 km/h. De quoi faire s'affoler les statistiques, une voiture très jolie, très bien réalisée, beaucoup plus propre que l'Audi que j'avais testé en version 2015 il y a de cela quelques mois. Une voiture agréable, l'intérieur est tout à fait correct, si ce n'est quelques petits bugs au niveau du placement de la caméra, mais vous le savez, c'est quelque chose qui est facile à corriger dans Assetto Corsa. Donc visuellement, c'est très beau. Au niveau du comportement, on a vraiment l'adhérence en virage, vous allez de toute manière le constater dans les S-Porsche où la voiture tient extrêmement bien le goudron et le pavé. C'est une voiture purement endurance, avec un son plutôt réussi, contrairement à ce qu'on avait testé, je reviens toujours à la comparaison de cette Audi, mais celle-ci est particulièrement réussie, même s'il y a quelques petits défauts de proportion, mais en tout cas, elle fait le café. Vous connaissez la tradition d'un track day, les amis, on profite et on monte le son avec cette Audi R18 e-tron Quattro de 2014.